Et bienvenue sur Guilty Runner, la petite chaîne qui monte en courant. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est dans l'Hérault. On est au bord du lac du Salagou, à côté de Clermont-l'Hérault. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de faire le tour de ce plan d'eau. Donc un parcours d'à peu près 30 km grosso modo, pour un dénivelé très faible autour de 300 mètres. Donc pas de difficulté particulière au niveau dénivelé. Par contre, bon, il y a la distance évidemment. Et puis voilà, je me suis rentré le parcours dans ma montre Garmin parce que je connais pas bien les lieux. Bon, après, a priori, il faut faire le tour du lac, donc je devrais quand même pas trop me perdre, enfin j'espère. Allez, eh bien, on va voir ça tout de suite. Au niveau météo, c'est variable. Comme vous le voyez, c'est couvert, mais il fait une petite vingtaine de degrés, il ne fait pas froid du tout. Il y a peut-être quelques orages annoncés en fin de matinée, donc je vais essayer de pas trop traîner pour pas attraper la foudre. Allez, c'est parti, on y va. When the night falls and the world come alive.
les amis, petite pause. J'en suis à 17 km sur 30. Voilà, il m'en reste 13, j'ai fait un peu plus de la moitié. Le temps est un peu couvert, mais finalement c'est très bien parce qu'il ne fait pas trop chaud. Parce que sinon ça aurait été difficile, il n'y a pas beaucoup d'ombre ici. Par contre, c'est très beau. Et alors, pour la petite histoire, derrière moi, le petit village là que vous voyez, c'est le village de Seil. Ou Seil, je ne sais pas comment on prononce. Et l'histoire de ce village, c'est que quand le barrage a été créé et que le lac a été rempli dans les années 70, les ingénieurs qui ont conçu le barrage avaient calculé que ce village serait sous les eaux. Et donc les habitants ont été obligés de partir. Et finalement, une fois le barrage rempli, il s'est avéré que le village était resté hors de l'eau. Donc il est resté comme ça, un peu une sorte de village fantôme pendant quasiment 40 ans. Où il n'y avait personne. Et puis, bon, petit à petit, des projets immobiliers ont repris et le village, maintenant, reprend vie petit à petit. Mais voilà, c'est une histoire assez particulière que je voulais vous raconter ici. Bon, il n'y a plus qu'à continuer. 13 petits kilomètres et puis on se retrouve à l'arrivée. Allez, go! Centuries after the great disaster wiped out the earth, but mankind survived, and so did the instinct and desire to rebuild what was destroyed so long ago. Last night I had a vivid dream. I found a place where nothing's les amis, 23e kilomètre, je fais une petite pause, il m'en reste à peu près 7 pour vous faire un petit topo sur le lac du Salagou qui est derrière moi quand même. Donc c'est un lac qui a été créé en 1968, qui a une superficie d'à peu près 750 hectares, pardon. Et il a une profondeur maximale de 55 mètres. À la base, il a été créé pour limiter les inondations dans la région. Donc il est alimenté par une petite rivière qui s'appelle le Salagou, qui alimente le lac. Cette rivière se jette après dans la rivière qui s'appelle la Lergue, et la Lergue se jette dans l'Hérault, l'Hérault dans la Méditerranée. Tout autour du lac, on voit des roches rouges, très caractéristiques de la région. C'est ce qu'on appelle la Ruf. C'est le nom de la roche d'ici, c'est une roche probablement volcanique. On a vu le petit village de Seil tout à l'heure qui a été abandonné pendant plusieurs décennies, je vous en ai parlé. Et derrière moi se trouve la presqu'île de Rouen. J'en ai fait le tour tout à l'heure. Alors je ne suis pas monté au sommet, mais j'en ai fait le tour. Et c'est pour moi la portion de la balade qui est vraiment la plus jolie, avec des petites cryptes, c'est très sauvage. Donc si vous venez ici, vous faut faire le tour de cette presqu'île, ça vaut vraiment le coup. Voilà, pour vous dire aussi que ce lac, lorsqu'il a été créé en 68, que le barrage a été terminé, il a été rempli en 2 ans, il a fallu 2 ans pour le remplir. Et à ce jour, depuis 70 qu'il est plein, il n'a jamais été vidé. Donc peut-être qu'un jour il le sera et on va découvrir des trésors. On verra bien. Bon, en attendant, il me reste 7 km. Au loin là-bas, il y a du tonnerre, ça gronde un petit peu, donc je vais essayer de rentrer avant l'averse. Et on se retrouve à l'arrivée, allez go! Yeah.
you're still alive. So many years out on the road, but still inside we all explode. Forever, we must survive. Nothing left to stop us now, we just carry on. We'll remain a legacy when we are dead and gone. We are real. Yes, we are. Ben voilà, voilà les amis, bien arrivé, un peu plus de 30 km, presque 31. Très très beau parcours, pas de difficultés particulières, une seule côte sur l'arrivée. Sinon des chemins très, très praticables, pas techniques. Ça peut être fait en VTT, en courant, en marchant, en paddle. Toutes les raisons sont bonnes pour venir au lac du Salagou parce que c'est vraiment très beau. Et pour l'essentiel du parcours, j'ai suivi le parcours VTT qui est balisé sur le terrain, c'est le circuit numéro 1. Il n'y a qu'au niveau du barrage où les vélos peuvent pas passer, donc moi j'ai un peu bifurqué, mais sinon globalement on suit le parcours VTT. J'ai pas eu l'orage, la météo s'est levée, il fait même soleil maintenant, il fait même très très chaud, donc il était temps d'arriver, c'est 11h du matin là, et il était temps d'en terminer. Eh bien, écoutez, venez vous promener au Salagou parce que c'est magnifique. Et puis à très bientôt sur la chaîne Guilty Runner pour une prochaine sortie. Ciao, ciao.